de festivité, mais comment comprendre Rara et qui mariait à parler de questions d'identité culturelle et des Haïtiens. Bon, faut que nous disions que Rara, c'est une pièce clé qui existait dans le patrimoine culturel haïtien. Patrimoine culturel immatériel. Pas oublier que, bon, tout récemment, l'année dernière, en fin d'année dernière, là, nous sommes arrivés, nous avons eu des démarches qui étaient faites de côté de l'État haïtien et du côté des étudiants. Nous sommes arrivés inscrits sous Mujomo là. Et dans la liste patrimoine mondial de l'humanité. Nous faisons des démarches auprès de l'UNESCO et puis ça marche. Eh bien, Rara, en tant qu'élément fort, clé dans le patrimoine culturel haïtien, notamment le patrimoine culturel immatériel, donc dans la liste inscription tout de éléments forts qui pour lui parler d'Haïti, yo associé à Rara, ou sont que Rara associé à nous. Parce que Rara, Jean Lia là, n'existait que dans la réalité culturelle haïtienne, on ne peut pas venir ailleurs. Donc, l'homme fin dit ça, c'est que l'important dans l'échange, nous dit que ça Rara. Rara, c'est une manifestation socioculturelle et musicale qui lie avec le peuple haïtien. Ordinairement, festivités Rara commencent mercredi décembre et finissent pratiquement dimanche Pâques. Vous pouvez remarquer que tout chanté qui. Alors, dans Rara, vous avez une musique, dans Rara, vous avez un chant, dans Rara, vous avez une danse. Donc, vous avez trois éléments fondamentaux qui existent dans Rara. Mais chant, yo, on va dire chanson parce que l'on dit chanson, ça implique un texte écrit. Ou après que chant, yo, c'est des bagailles que, comme si on est improvisé, mais très généralement, chant, yo, oral. Nous, on est réunis pour faire répétition, mais ce n'est pas un texte. C'est un Écrit, chant qui est écrit. écrit. Et on voit que, comme culture, alors, qui comprend ce qui est Virtus Sinui, qui était fait pour moi, école normale supérieure, qui dit qu'il y a deux types de culture dans la culture haïtienne. Il y a la culture populaire et il y a la culture savante. Culture savante, non? Par exemple, c'est les qui connaissent nos racines maintenant, que n'a pas appris dans l'école, que n'a pas appris dans l'université. Ou après, enseignement culture savante, ça, il est pratiquement fait en français. Mais culture populaire, non? Culture qui est propre à nous, non? Véhicule de transmission, d'échanger, de partager, c'est créole. C'est ça que vous comprenez que, comme Rara, lien dans le patrimoine culturel immatériel et fait partie de la culture populaire, là, ça veut dire que chanter que nous avons trouvé dans Rara, c'est un créole, y a pire. Mais J'aime toi en français. non, bah, j'aime croiser ou chanter Rara en français. Je ne sais pas exister, je ne sais pas ça. La difficile pour ça existe tout d'ailleurs. Bon, bref, tu as fait des débats sur le créole français. Non, voilà. Et Yves Desjean, un texte qui est extraordinaire, écrit ça. Dilemme en Haïti, français en pays, le français. Quand il montre toutes conditions réunies pour le français disparaître en Haïti. Et puis, Pompidou, le problème linguistique haïtien, parler de ça. Bref, mais ça, c'est un autre débat. Bon, peut-être dans le cadre de l'Union internationale, le créole, dans le cadre de langue maternelle, nous avons fait des débats ça. Pour moi, tout ça m'a dit. Donc, chanter qui existe dans Rara, c'est un créole. Ils véhiculent la culture populaire. Là, et ils ont une double fonction. Ils ont une fonction d'information sociale et puis ils ont une fonction pédagogique. Information sociale, dans quel sens, lorsqu'on entend chanter Rara, on apprend tout ça qui a fait en deux communautés. Qu'est-ce qui est mort, qu'est-ce qui est monté au pouvoir, qui nouveau maire qui gagne, qui s'est passé, qui mari qui bat madame, madame qui bat mari. C'est moment pour régler les causes. Oui, c'est moment, règlement contre. Contre, très bien. Oui. Question règlement contre, lié tout avec fonction pédagogique. Rara a appliqué par excellence une formule latine qui est la fameuse formule castigat. Ridando mores. Ce qui vient à dire corriger les mœurs en riant. Donc, c'est d'enchanter Rara que tout ça qui était à passer, qui n'est pas correct, que mon a profité,
pour faire tout un satire social. Mm-hmm. Et puis oui, pour yo bat plaisir sur des bagages qui étaient passés déjà en dans société là. Tout ça au gagner comme si qui était un sujet tabou qui était en catimini qui était en bataille ben faut attendre dans rara ou mettre le dehors pour mais yo pas mettre le dehors non perspective pour humilier et pour dénigrer mais c'est un perspective pour corriger pour tel bagage qui passé pas fait encore pas reproduit encore oui, donc oui. C'est en gros ça a rien en tant que patrimoine culturel immatériel en Haïti ça le représenter dans la culture haïtienne. Là, avec vous voulez parler que, en sorte que rara, ils sont héritage pour nous comme haïtiens. Oui. Mais nous te voyons tout pendant la période coloniale, là, parce que vous avez dit là tout à l'heure, à côté que les rara commençaient tout de suite après mercredi décembre. Mais nous te voyons dans la période coloniale, là, blanc, ils étaient plus focus sur le carnaval. Et fait carnaval, ils ont réuni avec. Et esclaves yo vinn danser, exposer yo, chanter. Mais nous tout de suite monsieur Sayo, esclaves yo, monsieur Damio, yo fait rara. Est-ce que là ou pas penser comme si gon forme de question rara jodi an que nous-mêmes nous vinn prendre comme une appropriation, c'est pour nous que lié. Bien sûr. Mais de l'autre côté, c'est comme si tu gon refus de colonial là, par rapport avec ça que nous-mêmes que nous t'ayons, ils ont pas adhéré avec rara, mais ils même ils fait carnaval. Et puis là, on pas pensé tout. Jodian, nous doué comme si Kembe ça que nous gagnons comme Jodian comme héritage. Ouais. Alors question héritage et rara, c'est un bagage qui complexe. C'est un bagage que nous car oui monter sous lui, ça m'a dit pour faire un bel rallye, pour faire une petite chaise bas pour chita, pour parler sous lui. Parce que en fait concernant l'origine rara, il y a au moins trois thèses. Il y a la thèse amérindienne, il y a la thèse européenne, il y a la thèse africaine. Oui. Il y a trois thèses. Donc on commence par la première thèse, qui est cette thèse qui est d'origine amérindienne. On voit au moins deux auteurs qui deux savants de chercheurs en Haïti qui parlaient sur ça. On a Jean Coulanges qui est actuellement la représentante officielle Haïti dans l'UNESCO, qui était professeur. C'est bien parce que Jean Mzoulan, premier travail que je fais sur Ara, premier thème pour Ara, c'est dans le cadre d'un cours de méthode en sciences sociales que professeur de regret et mémoire, Jean-Rosé Descartes. Ancien professeur, non, qui mourit pendant quelques jours après le tremblement de terre, qui était professeur qui était en bas, dans des combios que nous n'avons pas arrivé à sauver. Donc c'est dans le cadre de ça que je vais faire des entrevues avec Jean Coulanges. Ma femme, je sais que c'est qui vivra à ralentir mon moins. Parce que côté de quartier d'enfance, c'est Delma 33. Je salue mes mon monsieur qui tombe il y a deux ans de ça, qui est mes jeunes Valérius, que petit Samuel Valérius est plus ancien en même. Moi, j'ai 36 ans, Samuel Valérius, son nègre, nous avons au moins 34 ans d'amitié. Elle dit, son nègre qui connaît tout petit, me lever la main. Non, mais papa, c'est comme mon papa pour moi. Donc, on danse, on a créé la douceur sans rancune qui était voyagée, qui est à l'étranger. Donc, pour me retourner, c'est après Jean Coulanges qui m'a fait entrevue, parce que je suis identifié sous information, ou bien professeur Joseph Ronald d'Autruche, qui font thèse de doctorat dans l'Université Laval en 2013, qui est les cultures patrimoniales et touristes, construction et dynamique de reconstruction d'une destination touristique. Côté M. Gagnon, M. fait en ethnographie multisite, il y a trois sites, il y a Carnaval Jacmel, il y a Léogane, et Rara Léogane, et puis M. il y a Vaudou dans la souvenance. Donc, tes amènes, il y a une origine, il y a des auteurs, bien que d'autres ne sont pas 100% tes amérindiennes. D'après tes amérindiennes, Rara, c'est un héritage qui est d'origine indienne. C'est indien qui t'a quitté pour nous. Dans la mesure que nous avons né là, quand il y a un groupe de peuples qui étaient vivants avant nous, qui est les Taïnos de la grande tribu des Arawak. Et on voit que Taïnos de la grande tribu des Arawak, c'est un peuple qui est très apparenté avec indien Tupi Guarani. Tupi Guarani, c'est un sept Taïnos qui l'ont. Et Venezuela avec bassin de l'Orinoco jusqu'à présent. Ou après que, il y a un personnage qui est là, qui est le Major Jean, son jongleur, jusqu'à présent, on a parlé là en 2022, où Joanny Lacay est descendant Maya, qui est au Guatemala et en Équateur.
Et d'abord, il y a un héritage, il y a une tradition que le professeur Joseph Ronaldo Trouche rapporté l'article que les publié dans la revue qui est l'ethnologie et les rara de l'Éogan entre faits culturels liés au vaudou et patrimoine ouvert au tourisme. Côté là, dit que c'est l'un l'Éogan en l'Antibonique que rara a pris naissance. C'est pas pour rien qu'on voit que y a un foyer. Voilà, jusqu'à présent là, c'est l'Éogan. Et Kasika, que nous avons les Kasika, qui est le Kasika du Zaragoa, de commencer l'Éogan pour le finir juste pratiquement abricot, dans presque le sud. D'après une tradition que le professeur Joseph Ronaldo Touche étudiait, Reine Zaragoa, Anna Kauna, était dépassé de Zaragoa à la tête d'un cortège, au son de la musique, au son de la danse, pour la reine Maril, Kasika Onabou visite la Kasika Maguana. Donc, ouais, il y a une origine amérindienne très profonde, et la Kaya indien, je dis Taino, Taino Arakyo, lié à l'équinoxe. Ça, c'est la thèse qui est d'origine amérindienne. Deuxième thèse, c'est la thèse selon laquelle le rat serait d'origine africaine. Où vient le souple monnaie qui est Howell Colander, c'est ça, qui est un livre qui est haïtien en anglais, qui était rentré dans le cadre d'occupation américaine, qui fait des travaux ethnographiques sur la question culture haïtienne, sur la race, sur le vaudou, etc. D'après Howell Colander, rara pas d'origine, en fait, il n'a pas dit que rara pas d'origine amérindienne, mais pour lui-même, rara d'origine africaine, notamment Congo à Yoruba. En Yoruba, morara veut dire doublement, et en fait, morara veut dire bouillant. Et si on prend Deita fait remarquer que l'on prend morara, l'état d'origine égyptienne, parce que c'est Ra. Ra ou Ré, qui est dans la mythologie égyptienne, c'est le dieu du soleil. Ou après, c'est ça que Rara, l'on entre dans Rara, ou est bon. Un chaleur énorme, un chaleur intense, vous sentez bien la vie dans le temps de l'eau. Rara, c'est ça fait, on me dit, rara, dans la logique thèse d'origine africaine, ça, rara, c'est une manifestation socioculturelle que les ancêtres, qui ont été réduits en esclavage, les ancêtres africains, ont créé parallèlement avec le carnaval là, que blanc a fait Saint-Domingue. C'est boudé. Comme il bout des carnaval blanc. Non, oui, et puis il y a même. Et comme tu n'as pas qu'à participer, il crée propre manifestation socioculturelle. Ça, c'est la thèse d'origine africaine. Mais il y a une thèse qui est d'origine européenne, tout. Et c'est Joseph Ronaldo Touche, une nouvelle fois, qui a avancé dans la thèse. Il fait remarquer deux bagages. Premièrement, la cas espagnol, il y a un fait qui est la Santa Cruz. La sept croix, et qui est pratiquement fait pendant toute période pascale là. Et qui a une manifestation de musique, de chant et de danse ouais, qui est très semblable avec Ara. On l'autre que le professeur Joseph Ronaldo Touche fait remarquer, c'est que on fait que au Moyen-Âge en France, que vous avez fait, qui dans la forme et dans le fond semblait avec en pile avec ça que nous-mêmes l'a fait en Haïti que nous là. Donc en gros, il y a trois thèses. Il y a une thèse qui est d'origine qui dit que rara, on va pas positionner tout ça. On va aller tes yeux comme ça parce que on est fort que l'organe intellectuel va aller tes yeux et puis même fort que pour moi surtout que me travaille sur question à média dit des position sur question bah que citer auteur. Donc les thèses amérindiennes veulent que les d'origine amérindienne. Ou bien la donne Jean Coulanges, ou bien la donne un peu Joseph Ronaldo Touche. Thèse, il y a une autre thèse que c'est thèse qui veut que rara d'origine africaine. Principal représentant c'est Howell Colander. Donc il est sorti la caille Yoruba avec la caille Congo. Et il y a une thèse qui veut que les ont trois dimensions en plus que l'européenne. C'est pratiquement pour ce Joseph Ronaldo Touche qui se portait. Il est d'origine amérindienne, où M. Palo de une tradition que Anna Kauna a dépassé dans Kaskaradgan, Marie visite Kaunabo, d'origine européenne, il est française et espagnole,
et d'origine et africaine, notamment Congo Yoruba, de toucher en masse, tous les trois lui-même. Mais pour professeur Jean-Yves Blo, ancien doyen en faculté d'ethnologie, avec Samba Azaro, que l'époque m'a fait devoir, de faire entrevue avec tous les notes, Rara a d'origine amérindienne et africaine. Pour moi, moi, professeur l'homme, Rara, avant tout, d'origine amérindienne et ensuite d'origine africaine. Pour qui ça, moi, je dis ça, moi, j'ai deux arguments forts dans ce sens-là. Pour que les d'origine amérindienne, avant tout amérindienne et africaine. Premier bagage là, c'est que, on va remarquer que, la région qui est plus reculée du pays, l'on rentre dans le fond, les Ougan, et l'on rentre, parce que moi, je fais terrain pour mes maîtrises, mon abricot, l'on rentre dans le fond, abricot, moun qui a vivre, qui a organisé Rara, il y a toujours eu dans Rara, origine indienne. C'est lié où il a identifié. Le jour, soit le côté de mon Léogan, a dit que Reine Rara, premier co et Reine Rara, c'est Anacaona. Pas de discussion sur ça. Et mon qui a vécu dans l'abricot, identifie le tout comme un héritage qui d'origine amérindienne. Et d'origine amérindienne. Donc, il y a une question. Côté qui est fort, côté fort qui est une tradition amérindienne qui est très vivante, il y a un héritage amérindien. Et le fait que les gens qui ont organisé le cap vivre, ils ont toujours eu tout que, comme un héritage amérindien. Donc, c'est une manifestation socioculturelle que tu apprends et puis adapté à besoin. À la différence que avant 1804, Rara que nous avons gagné, c'est un Rara qui est surtout un Rara révolutionnaire. Et après 1804, surtout le contexte historique, réaction des ancêtres noirs africains par rapport à les carnavals que les Européens ont organisé officiellement. Après 1804, Rara que nous avons gagné, c'est un Rara de réjouissance. Mais non, c'est vraiment bien pour tout râler historique, ça, avec toute approche. Et professeur d'Autruche, que nous connaissons bien, que tu es professeur noto et en maîtrise ethnologie, anthropologie sociale. Maintenant, nous, ouais, tout, c'est question de Rara, il plus fait dans la ville provinciale. Et nous parlons comme si dans le milieu urbain, c'est rarement, mais c'est dans le milieu rural, Rara. Mais qui s'est expliqué ça, en fait, pour que c'est dans le milieu rural, je dis, hein, activité Rara yo li fait ou bien doit faire. Bon, ça me kadou c'est que bagan et ça me kadou très rapidement c'est que ça son bagay qui est en perspective de changement de transformation. Et grave mzou lo invité m'a accepté parce que ma l'aise dans sujet c'est sous ça que m'a travail c'est dans thématique l'homme à la place qu'il faut. Et gagné auteur qui est Voglie Justin Constant. Voglie Justin Constant, et qui écrit en thèse de doctorat, qui est la musique dans le carnaval haïtien. Aspect rural, aspect urbain, aspect rural. Effectivement, il a voulu prendre le carnaval comme une manifestation socioculturelle qui est organisée dans la ville. Et Rara comme une manifestation socioculturelle qui est organisée dans la campagne. Ça, c'est une première référence. Une deuxième référence que Mkabaro qui a la logique, ça, c'est Emmanuel Cepoint. Et Paul, non. Emmanuel C. Paul. Oui, Emmanuel C. Paul. Je pense à Petit Léonard C. Paul que je contacte avec elle, qui est un livre qui est le panorama du folklore haïtien, qui à peu près fait même considération. Ou bien Dr. Ensmir Viltou, qui écrit un texte sur considération ethnopsychanalytique du carnaval haïtien, qui à peu près fait même approche. Pas oublier, leur parler de Haïti, en fait, si on a fait une sociologie du milieu haïtien, il y a le milieu de l'élite, il y a le milieu de la masse. Dans le milieu de l'élite, il y a les champions, il y a une tradition qui est d'origine occidentale, notamment européenne et particulièrement française. Mais le milieu de la masse, ça, professeur Jean-Yves Bloré, les bipolarités culturelles, il y a un petit document, et la culture haïtienne, dans la page 15-16, le milieu de la masse, il y a les champions, il y a tradition africaine.
C'est ça, après que l'heure a parlé de carnaval, ou surtout que carnaval, c'est dans la ville, dans le milieu urbain, parce que c'est le milieu urbain qui, à cause de bipolarité culturelle, qui voulait qu'il y ait des traditions occidentales, notamment européennes ou françaises, plus particulièrement, et puis le milieu de la Bassa, les mêmes champions dans la tradition africaine. Mais tout, il y a des changements avec le temps qui fait dans la rara. Par exemple, pendant une bonne période, rara fait seulement en nuit, qu'on a gagné rara la journée. Et qui raison qu'on explique ça? Le fait que c'est tout ça qui est avec héritage, nous qui d'origine africaine, mais toujours gagné un saut de stigmatisation par bioté. Ou Joseph Ronald d'Autruche explique ça dans la thèse doctorale, que première préoccupation par rapport à rara, c'est que lui associé rara avec Bizango, il a associé rara à Saint-Poël. Et maman, dès qu'on dit, maman, pas de jambe que le potissier dans rara, parce qu'on dit, rara, son bail qui diable. Et effectivement, après, les gens qui ont mis rara, le plus souvent, c'est des Rougons, c'est des Mouman Bourrier. Donc, le fait que tout ça qui a rapport avec l'héritage africain, non. Mais on ne peut pas croire dans ça. Que ça? Question en forme de société secrète, et je vais expliquer là. Alors, moi-même, l'étude que je mène sur Rara, là, on trouvait me faire par une séparation de Rara à Vaudou. Hein? Oui, oui, excellent. Bon, même excellent, parce que excellent. C'est son point qui méritait pour nous. On lui pose une question juste comme ça. C'est son point qui t'a mérité pour faire tout objet de ton éclairage pour téléspectateurs et téléspectatrices. Ou fait oublier Philidim, ça m'a d'accord dit. Ouais, donc on t'a pas dit que le fait que les marqués, donc stigmatisation, c'est ça fait que c'est la nuit que tu es comme fait. Même si avec une cérémonie vaudou, tu es bon, un bon bout de temps jusqu'à 46, c'est la nuit. Tu as fait, mais combien là, comme que Rara, pour la dimension, il n'est pas un facteur de discrimination. On croit par exemple, Rara vient une pratique culturelle qui est associée identitairement à Léogane. Oui, oui. Léogane, c'est foyer à Rassou. Ou abdi sou besoin bon rara là c'est l'organe pour aller dans sauf que je dis non ouais il y a des changements qui fait dans caractéristiques yo dans question instrument et je dis dans rara est-ce que ça dans question identité culturelle les nous dira rara je dis en ancien traditionnellement nous connaît et qui s'accueille gagné comme instrument et puis je dis il y a des changements est-ce que cela papoté certaines modifications avec essence rara même oui bon et ce deuxième gars qui a passé dans rara mais c'est alors faut me dire que tout élément culturel est condamné à évoluer à changer mais gars qui a pas arrivé Québec c'est parce que nous pas gagné en l'état j'ai commencé à dire avoir en coulisse qui gagne en politique culturelle pour identifier des bagages qui font partie du patrimoine culturel, pour décider que ça, la encadrer ça, la financer. Pratiquement, bon rara, au livre, même, c'est pas vraiment l'État, on ne peut pratiquement pas dire l'État qui prend en charge. Qui est-ce qui gère rara? C'est mon cap organisé rara, même, qui peut compter sur le support des familles, des amis, et surtout, des monde qui la diaspora qui a décidé même diaspora haïtienne qui a décidé financer fait que rara bon à ma connaissance c'est pas un budget qui consacre à aller dans le ministère de la culture côté moun yo gen des financements gen des bagages que a fait le fait que rara livre à lui même c'est consacré pour le retour gen des entreprises privées qui a profité de période de rara pour faire par exemple que mon yon rara, c'est parce qu'on connaît que on rara, le plus souvent, l'œil organisé, l'œil créé, c'est à la demande d'un loi. Rara, le plus souvent, c'est couleur loi qui demande pour créer là que le porté. Mais après, moun qui décide de financer rara, ça, en fait, entreprise qui décide de financer. Il y a certaines exigences. C'est personnalité morale, je ne t'ai qu'à dire dans le droit. Donc, on force que moun yon rara porte des t-shirts. Qui est directement à l'entreprise. Et professeur Samba Zaro parlait de par exemple, bon, et tambour avec vaccin. Ouais, après que il remplacé bon et bambou par saxophone. Il remplacé par saxophone.
y a remplacé pour l'équipe PVC Duralon. Donc c'est des changements qui ont produit, mais pour changer ça qui a produit, c'est parce que pas de financement, pas de l'État, et comme au fur et à mesure que la vie n'a pas avancé, la vie a venu plus cher, il y a des choses qui sont difficiles pour conserver, il y a des choses qui sont difficiles pour garder. Donc oui, c'est excellent ce dire. Donc on est toujours ce dire là, il y a des couleurs, et qui propre avec eux, suivant l'esprit qui m'a connu avec Rarasa, qui sortit typiquement dans la cour, et encore son notre héritage familial. Est-ce que de l'autre côté, changement de couleur qui fait dans Rara ou imposition par secteur privé, hein, oui, personne morale, ou so, dit là, si nous regardons l'aspect juridique, est-ce que pas gagner des répercussions mystiques tout sous membres qui constituent le groupe Rarasa, dans le changement de couleur ou imposition de secteur privé. Hein? Bon, secteur privé, à même effet, c'est la logique de financement, ce qui finance, comment il fait les autres. Nous-mêmes connaissons que le secteur privé est arrivé, nous constater, et que le secteur privé a quand même arrivé à faire Rara jouer l'empire qui n'a pas perdu Rara. Les conseils, les participer, les craser Rara, les détruire Rara. Mais qu'on y a par rapport avec tes questions, changement de couleur, bon. En tout cas, c'est son bagage qui a affecté Rara dans sa lié, mais heureusement, c'est temporairement. On souhaitait que ça pas affecté Rara en profondeur. C'est pour une manifestation, pour une période X, Y, Z ou pour un financement, ils sont obligés d'adopter telle ou telle couleur. Mais dans la mesure que ils sont arrivés équipés eux-mêmes, donc ils soumettent avec toute exigence, mais c'est que Rara doit gagner. Professeur Emmanuel et Laurent, nous avons observé une pause dans l'émission Entretien. Déjà, nous passé une trentaine de minutes, maintenant, pour nous prendre un petit temps, petite pause là, et puis nous retourner dans quelques fractions de secondes. Merci pour la pause. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, l'émission L'Entretien vous revient dans quelques fractions de secondes. Restez branchés à la chaîne 34. Bonjour, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, dans l'émission L'Entretien avec famille B. Ismaël de Radio-Télévision Espace. 30 minutes déjà écoulées dans la première tranche émission avec l'homme, professeur Emmanuel Stéphane Laurent, juriste, anthropologue, professeur à l'université. Avec, n'a discuté autour de thématiques ça, Rara et identité culturelle. Professeur l'homme, nous passons trentaine de minutes déjà. Je dis, hein, Rara, typiquement haïtien. Et si nous répété après, ça a dit à travers la recherche qui fait de Rara. C'est milieu urbain. Hein. Ouais. Mais, il y a une question Rara à Vaudou. Oui, maintenant, je dis, hein, mélange ça, Rara, et qui sorti dans la cour, qui a une importance, parfois même qui comprend naissance dans la cour, ça. Qui relation Rara lui-même li gagné avec Vodou? Et je dis parce que c'est extrêmement important. Est-ce que moun capable faire Rara sans que le pas non sec sans que le pas en vaudouisant? Est-ce que capable faire Rara sans qu'on pas sorti non la cour? Je dis approche relationnelle Rara Vodou et qui marque question identité culturelle non, comment comprendre ça, professeur? Bon, et je pense que le rapport qui est quelques bas, je commence à dire que tu étais chita sur ça. Le rapport qui est entre Rara et Vodou est inextricable. Bon, je ne sais pas comment forcément tout le monde qui a forcément initié, forcément fait partie de ceci secret, mais ça n'a pas empêché que le lien est très fort. J'aime te commencer à dire, nous avons commencé à avancer sur ça, mais le faire mélanger avec l'aspect commercial et l'aspect financier a fait que moi, je pratiquement fait, on mélange les deux, même si je suis sur ça. Principalement, généralement, un bon Rara, c'est un roi qui m'a demandé pour créer. Rara doit exister en période, comme si il y a des gens qui ont pratiqué, et puis bon,
mon rara venir rete mourir et puis pas vraiment petit qui ramasse héritage là chaque fois mon chemin ça à l'encontre les protestants et puis on moment boum on loi manifester dans tête on monde XY et puis le monde carrément oui, carrément là même pour nous rara Delma 48 moi dit ça même c'est un rara que très proche et il était font bon 2-3 ans il pas fonctionné et puis loi manifester dans tête mettre rara et puis mettre rara mandé rara il dit bal rara comprendre donc il est obligé et bail mettre rara comment ça m'a besoin on pas n'importe même pas arrêter on pas arrêter du jour au lendemain comme ça on va le faire on bon rara mes amis un bon ami ça me va dire mais j'espère pas de problème avec moi t'as dit monsieur ça fait en rara papa là il dit bon il même pour nek qui connaît pour nek qui profondé il pas arrêter dernière fois nous on parlait sur question rara parce que rara ça sont rara moi vivre dans petit monde c'est important pour moi il dit il pas arrêter comme ça on va faire rara faut comme si faut ta gain bagaille faut ta vinn dire flex etc pour que lui même de côté pas pour pas mettre tête en position sensible parce qu'on est j'ont ta dire là bon aspect mystique dans rara donc le plus souvent rara son héritage même si c'est un héritage c'est une transmission pouvoir les fêtes entre différents membres de famille qui t'a pratiqué vodou. Donc rara c'est non, premièrement son droit le plus souvent réclamé, le deuxièmement ou toujours un héritage dans famille, papa grand-papa était comme faire, grand-grand-papa était comme faire, papa était comme faire donc petit pour le faire ou petit pour obligé faire etc. Et puis un autre bagage qui fait que rara très associé à vodou c'est que le plus souvent moun ki met rara yo c'est des ougan et c'est des mambo yo. On prend par exemple colonel là qui c'est une personnage clé qui gagne dans rara, colonel là son leader mystique. C'est lui même qui doit prendre toute décision qui doit mener au plan à bon port, toute côte. Alors c'est lui qui décide des destinations, groupe là qui décide de port cool, qui côté doit faire, qui côté les pas doit faire, comment pour le protéger pour pas l'autre rara pas attaquer. Oui, oui. Donc pour des états, mais des états là qui c'est une rare hauteur qui travaille sur, parce que pas grand pile travaille ni sur carnaval ni sur rara. Et bizarrement, des états dit que l'organe des compositions rara, il semble avec composition société secrète. Donc après que en bonne rara le plus souvent sauté dans la cour, les liens en péricile, donc lien qui gagne entre rara à vos doigts pour moi il était inextricable. Comprendre donc cap peut-être gagne des exceptions mais pas suffisamment gagne des recherches sur ça, on me dit jour il m'a fait un inventaire de mémoire qui gagne ça avec faculté d'origine, mémoire rara avec mémoire et sciences humaines. Donc yo même en bas et me venons grande mémoire là après avant de venir ici on venons grande mémoire sur ça et donc pas suffisamment il y a des études qui pour permettre nous parler de certaines exceptions et me pense que c'est une thématique qui méritait un peu de travail qui méritait un peu de recherche mais gon approchement de question de rara et puis période saint on dit période pascal là côté que nous connaît Jésus et si nous regardons religieusement parlant, dans l'histoire chrétienne nan même, de la religion, et Jésus pral mouri. Et parfois, moun yo toujours prend période ça, et moun kap fè rara, yo toujours dit bon, c'est comme si yo retouye Jésus encore. C'est comme si yo crucifié Jésus encore. Son critique yo fait. Et yo gardé tout dans rara, comme yo en lot encore, en société secrète. Ou m'a connaisse ou partager ont-elle bon écoutez pas oublier que et pour bien comprendre question la correspondance entre Pierre de Rara avec Pierre Pascal là faut nous comprendre pour aspect en question syncrétisme OK excusez en question syncrétisme donc pas oublier sur l'article 2 du code nous tous les esclaves qui sont dans nos îles sont baptisés et sont dans la religion catholique apostolique et romaine c'est l'article 2 du code nous on dit et l'article 3 interdit pratique tout culte saint domaine sauf la catholique apostolique et romaine donc Jean Blou expliqué dans le support de la culture haïtienne il a parlé de ce code d'accord l'encolonisation française de saint domaine à cause du rapport de force sur côté blanc était fort et puis et les ancêtres nous étaient faibles, pas oublier les colonisateurs
il y a un rapport avec colonisé, c'est pas colonisateur qui pour assimiler culture colonisée. Bon, ça très rarement fait dans l'histoire. Par exemple, on prend par exemple qu'à grec yo à romain yo, au lieu c'est grec qui colonisait et au lieu c'est romain qui colonisait grec yo, qui imposait grec et romain ont imposé grec culture, c'est romain pour assimiler culture grecque, ça est l'hellénisation de la culture romaine. Mais à part exception ça, on parle le plus souvent, d'accord, c'est colonisateur qui peut imposer coloniser aux cultures. Et c'est pas imposer coloniser aux cultures, il y a deux portes d'entrée de toute culture, il peut imposer l'anglais, il peut imposer la religion. OK, on peut essayer dans ce sens ça, ouais, pas j'aime qu'un esclave qui vient arriver dans la colonie française de Saint-Domingue n'a pas passé plus que 8 jours pas baptisé, c'est passé plus que 8 jours pas il pas baptisé, il y a bail mettre une amende. Il y a bail mettre une amende. Donc ça va expliquer que plus fort loi que nous on ouais, Panthéon vaudois même si nous t'ai gagné réserve sous terme et Panthéon hein, parce que dans vaudois loi au pas des dieux pas des déesses aussi des esprits qui peuvent qui assurer contact entre le monde des humains avec des être aux divinités suprêmes non que les papas grands maîtres dans certains en fonction de tradition là oui, oui, et où il y a bon architecte c'est pratiquement on a gagné franc-maçonnerie ou nous ou malheureusement maoulissa et puis le reste des humains donc ça va expliquer le fait que plus fort loi qui vient n'importe où on vous doit pour venir dans la caisse saint l'église catholique et le fait que plus fort c'est là que vous arrivez justement le fait que plus fort fait chrétienne, c'est des fêtes vaudou en même temps. Même si la question syncrétique a une hybridité, une métisse, ça ne veut dire que la logique même critique que chrétien ou gain que entendez critique ça déjà que le fait que période rara son période de réjouissance alors que c'est période mort à résurrection de Jésus, comme c'est une tatouille de Jésus une deuxième fois, faut, ça nous a répondu des tracteurs, ça c'est que même si il y a une hybride, il y a un métissage, ça ne veut pas dire que logique de fonctionnement ou même. Non, il y a un détracteur. Oui, bon, c'est soi-disant détracteur, si tu veux. Logique de fonctionnement ou même, c'est-à-dire, je ne sais pas quoi, en quelle tête pratiquant rara, ou organisateur rara, les a choisi période ça comme période de réjouissance parce que les gens ont une origine historique que nous avons examiné la minute avant ou dans l'émission hein, que notre tête yo pensé avec un assassinat du Christ ou un crime contre le christianisme, c'est pas même bagaille parce que pas oublier que culture ancestrale panouan les prend naissance en réaction avec culture blanc très bien. Donc faut que nous-mêmes, comme anthropologues, comme sociologues, nous évitions toute forme d'ethnocentrisme. Et c'est un préjugé qui a un rapport avec l'ethnocentrisme là, lié. Parce que nous n'avons pas fait pas, nous avons une loi à servir, nous avons mangé, nous avons une réjouissance pas par rapport à chrétiens, qui ont un gène, qui ont mangé poisson, qui ont pas. C'est pas même bagage. Mais pour Rara, on dit qu'il y a esprit, de manière générale, qui est capable, on dit, pendant une période ça, et qui marche en groupe Rara. Est-ce que chaque côté qui a Rara, il y a un esprit par, ou est-ce qu'il y a un esprit unique pour. Non, il faut qu'on ait que. Et manquer, justement, nous avons dit ça, manquer étude sur ça. Faut que nous pas penser que Rara en tant que manifestation socioculturelle, en tant que expression musicale, les exactement même côté, même gens tout côté. Hein. Faut que gagne des études qui fait pour qu'à permettre nous on perspective comparative par exemple entre le Rara Léogan, Rara Tibonite, Rara Port-au-Prince, Rara Jérémy que bon même de côté pas me décider investiguer. Parce qu'en fait, il n'y a pas les deux de carnaval, il n'y a pas les deux de Rara. Il y a pratiquement pas carnaval là, avec pas Jacques là, pas Léogam. L'autre, ce concours, c'est des petites des mamans. Ils ont mérité d'investiguer pour nous. Et pour nous voir comment ils manifester. Il manquait étudier. Mais moi, je suis tombé sur mémoire et licence, faculté de technologie, qui est intéressant, mais qui n'en suit pas. Dans les 70-72, qui peut être un logement insuffisant, qui t'a trouvé et tout ça t'a mérité, il faut reprendre et
Aller plus loin, c'est Wilfried d'Ubisson qui est en mémoire licence sacrée d'ethnologie, en anthroposociologie, qui est le vaudou dans le carnaval gonaïvien. Moi, après, j'aime ce well au niveau de ville, et pas well au niveau de la campagne. Donc il y a des études qui méritent faire sur ça. Oui, c'est excellent parce que quand on parle des caractéristiques, parle de questions de rara, je t'ai évoqué tout au début. Mais en garde, je dis rara, identité culturelle, réellement, est-ce que ça le fait, c'est identité nous, question de rara, et qui sont comprendre de question, là on parlait de identité culturelle, ou même qui ça s'aille exactement. Bon, je ne sais pas pour qui ça s'aille, identité culturelle, pour moi, c'est qui ça s'aille, sociologie, anthropologie. C'est où ma recevoir là. Bon, oui, il dit, vous faites tenir sociologie, anthropologie. Mais c'est téléspectateur, téléspectatrice, vous prenez note. Il dit, c'est pas moi, non, c'est Ismaël, c'est pas moi. Bon, faut qu'on ait que. Ça, qu'est-ce que ça, l'identité culturelle liée? Identité culturelle, bon, alors, je ne vais pas les battre là, parce que comme professeur de sociologie et anthropologie, je ne vais pas battre, mais un peu bas, je m'en vais dire, mais nous, dans le cadre de l'émission, je vais éviter de transformer l'émission en cours. Bon, mais c'est que l'engagement que je vais faire là, suffisant. Identité culturelle, c'est l'appropriation, l'identité collective. Mm-hmm. Ou culturelle, ou l'identité collective et culturelle, c'est l'appropriation et l'affirmation de la culture de peuple. C'est-à-dire, culture peuple, car là, mais le fait qu'on ou pas ramasser, ou pas affirmer, ne vient pas exprimer l'identité. Nous, on connaît les canons anthropologiques de base, tout peuple gain culture, pas gain peuple sans culture, culture variée, donc peuple en l'autre, toute culture égale. Chaque individu vit une identité à l'intérieur de propre culture. Donc, dans quel sens que et rara constituer identité culturelle qui est propre à Haïti, dépendant de comment son émission, on était commencé à brasser l'idée sur ça, rara, la manifestation, j'en lié en cognant, est typiquement haïtien. Ou pas pour en forme apparente de rara, j'en lié à là, ou en Europe, ou aux États-Unis. Et en Asie, non, les typiquement haïtiens, sous besoin, on va chercher rara, on va venir à Haïti et sous besoin, vivre rara. Dans toutes dimensions, c'est les organes pour aller, parce que les organes champion, les organes lauréat. Ça, pas gagné à sortir de là. Et, dans quel sens encore, les exprimer l'identité culturelle, nous, dans la mesure que lycée, je ne t'ai commencé à dire là, son pièce maîtresse, qui représentait le patrimoine culturel immatériel non tellement, de manière tellement poussée, que nous avons cherché à faire reconnaître les sous-listes et patrimoine culturel immatériel UNESCO comme une bagaille qui est caractéristique du peuple haïtien. Donc, pas gain à sortir de là, de pour dire rara ou dire peuple haïtien. Mais tout, nous connaissons tout, en la société, et grand pile, tu as dit ça tout au début, il y a des gens qui lient, mais on n'a pas retrouvé, on manque d'appropriation de comme identité culturelle ou pas remarqué ça dans la société hein? mais bien sûr gain monde que c'est comme c'est bon pas de pour socialiser dans le milieu haïtien gain bagage qui parle sont différents pas gain aucun haïtien qui socialiser dans le milieu haïtien gon côté a bat tambou pour pas sentir que gain des bagages qui marche la kali et qui a envie de faire danser, qui a envie de faire sentir haïtien. Ou après, il y a des gens qui, c'est dans la période de rara, ils ont fait retraite, ils ont fait jeûne, ils ont prié. Parce que les gens, à cause que nous avons deux agents de déculturation en Haïti, qui sont d'une part l'école et d'autre part l'église, qui a déculturé nous, qui a déhaïtianisé nous, qui nous en formation, qui nous en éducation, qui coupe nous de racines. Non. Très souvent, nous nous disons, frère de l'institution chrétienne, FIC, nous ne pouvons pas être seulement traduit par frère de l'institution chrétienne, il faut être traduit triplement. Les frères de l'institution chrétienne, les frères de l'institution coloniale, mais les frères aussi de l'institution criminelle. Oui, parce que c'est en formation, en éducation. La formation, ça va engager. Oui, non, mais. Claire. Non, il n'y a pas de problème à ça. Il n'y a pas de l'église catholique, il n'y a pas de moyen tout. Donc,
Et d'ailleurs, il y a un certain milieu que je ne peux pas quitter me venir, pas quitter me parler. Il y a un petit monde qui invite me caimer. Mais tout professeur. Je ne peux pas quitter me parler, je fais émission là, Radio Lumière, il y a un monde qui dit, je ne peux pas quitter l'émission passée. Mais professeur, est-ce que je dis, mis à part de toute sorte, qui est extrêmement important pour la question identité culturelle, non? Le fait que gagner une mauvaise appropriation de Rara, qui c'est patrimoine non, héritage non, question identité culturelle non, là, est-ce que nous avons parlé de typiquement identité culturelle, les gens qui ont expliqué là? Oui, bon, ça permet rapidement retourner dans ce map de là. Gain culture non, gain identité qui c'est en fonction culturelle, ça veut dire culture à là. Le fait qu'aux parents massel ou pas affirmé ne vient pas exprimer collectivement en tant que identité. Donc rara son bagage qui typiquement haïtien qui appartenu qu'à les haïtiens, mais gen certains haïtiens à cause de crise identitaire, à cause de séquelle coloniale, à cause de distance que l'école à l'église fait ou prend par rapport avec racine, gen haïtien qui pas affirmé, ça pas veut dire que ce concours c'est au coup papa à maman mourir, yo quitté un bien pour yo quitté un terre, mais dans testament terre pour le cal noté c'est comme gars des monde sous terre qui occupé terre, c'est au pas les et c'est au pas les batailles pour lui, c'est au pas les prendre. À partir du moment que ou dit ou prendre l'état le droit li bon koto parce que c'est héritier. Oui, c'est vrai, c'est héritier sous décide qu'on là. Et par exemple, pour quitter les prescriptions, et comment on dit ça, prescription 20 ans passé, ou que l'autre monde vienne m'occuper pendant plus que 20 ans, ou bien de manière paisible et sans perturbation, ou bien juste ça, c'est vous qui avez baptisé. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas vous, comme si légalement et légitimement qui héritiez. On fait me penser à deux bagages là, on t'a posé question. Est-ce que tout haïtien c'est vaudouisant? Est-ce que tout haïtien qui a participé dans la. Bon, tout rara son manifestation et socioculturelle assez ouvert. N'importe mon entrée au danser là ou n'importe mon oui oh. Mais qui haïtien qui a empêché haïtien là qui a dit bon gars haïtien comme c'est un parent haïtien qui doit appeler petit tu comme haïtien pas là et là il mettait des bails interdits mais immédiatement que mon nom commence grand monde n'est pas dans rara c'est rara son héritage collectif haïtien même j'ai avec carnaval même j'ai gelé même j'ai à soudo pas une personne qui est propriétaire ni pour chaque grand haïtien elle pour tout haïtien ça c'est clair. Combien là, bon question, c'est parce que là on pose une question super sensible. Bon, vaudois a gagné trois aspects super sensibles. Il y a un aspect privé, semi-privé, il y a un aspect public. Rara qu'il y avait vaudois son manifestation publique liée, il n'est pas privé. Moi, ce que j'ai certains qui ont décidé à organiser la caillou et l'âme de difficile parce que pas Rara qui passe au dehors de la cour pour aller en visite, pour aller faire parcours, etc. Là. Est-ce que tout haïtien, d'une manière ou d'une autre, la question sensible liée avec vous deux? Là, ma cité, nous, professeur Kodi, qui était professeur que je connais bien, je suis cool, même malgré pas de technologie encore, même pour retourner, même tourner le professeur de technologie, c'est professeur Dzengele Matsoua. Dzengele Matsoua, quand je ne sais pas pour rien que haïtien français, comment c'est pour HM, je veux son symbolisme de. On symbolise qu'à qualifier, symbolise autographe. Pas bien, Dzengele, c'est un qui n'a. Et symboliser l'imaginaire comme école de pensée en ethnologie. Haïtien, ce n'est pas pour elle commencer par un H en français. Tout Haïtien, natif natal, debout Haïtien, natif natal, vous sortez au moins 4 lacs. Vous sortez dans la cour. Papa, papa. Excellent. Papa, maman. Maman, maman. Maman, papa. Papa. Alors, ça me clair sur ça. Je ne sais pas, j'aime bien Haïtien qui sortent dans 4 lacs pour la cour, ça ne va pas servir. Ça, c'est à tout démentir l'anthropologie, faire l'anthropologie, patience encore. C'est pas pour rien qu'on voit que pendant des générations, pas gain aucune manifestation de loi, pas gain aucun service qui fait dans la cour, et puis on loi, sorti côté sorti, de réclamer au monde, dans la famille. Il dit, ah, il y a trop longtemps la cour, ça n'a pas servi, on prend un tel a servi. C'est parce que d'une manière ou d'une autre, chaque grand haïtien, j'informe que là,
vle di la ou gon ganzan nou kay pon yon. Donc lwa chèche, lwa chèche racinou ou apwè ke ou gen kat lakou ki konekte. Donc sa se lakou papa 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 maman 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 papa yo konekte. Et sa ki sa m trouve ki enteresan, an di ke yon ayisyen fè petit an étranger. Donc gen gon zèl ki kase la. Oui, fò fòm de kasur. Gon kasur. Mais si petit haïtien ça, allemand et haïtien. Oui, reconnexion en fait. Reconnexion en fait. Donc pour moi, pas gagner à sortir de là que pour tout haïtien, fondamentalement vaudouisant. Et Ambroise Rino Gabriel, qui est son père, il faut citer. Oui, oui, excellent. Bon, il n'y a que bon sens, c'est oui, quand oui. même. Et qu'on lui qu'il est la cérémonie du bois carrément dans, et son sens de la lutte. Politique, religieuse et identitaire du peuple haïtien, les ou gen deux catégories de vaudouisants. Gen vaudouisants culturels et gen vaudouisants pratiques. Gen moun qui c'est des pratiques même de vaudou. Hein? Et puis gen nous tout là qui culturellement nous gen héritage la kay nous. J'en expliqué là et avec approche et auteur que vous citez, tout haïtien c'est vaudouisant. Le fait que tout haïtien c'est vaudouisant, rara, les typiquement haïtien, n'importe haïtien capable danser rara, parce que sorti dans la cour, c'est héritage culturel. Non. Maintenant, je dis, qui s'acte fait au niveau étatique pour que nous rendons identité culturelle ça de manière culturelle, si vous êtes dire comme ça, une identité culturelle côté que appropriation. Li pa fèt de yon certain groupe moun, parce que jodi yon rara, gen moun ki attribue rara, li pa nan salon, yo plus swèl comme si se ti peuple, se ti masse peuple, ki sa l'état ta dwe fè pou l'état balancer mariage culturel sa, vodou, identité culturelle non, et puis rara. Ah ben, c'est moi, m'se kwetè. Non, tout ce que m'se kwetè là, c'est parce que moi, wal, comme si, wal nan sens. Comme si bataille que m'a mené, comme si travail que m'a fait avec jeunes, travail que m'a essayé de faire dans l'espace médiatique sous question culture, sous question identité, sous question patrimoine. Nous avons l'État haïtien qui est anti-haïtien. Nous avons l'État haïtien qui est anti-haïtien, dans la mesure que bon responsable. Il y a ce n'est pas un simple individu, ce n'est pas. On simple groupe de monde, c'est pas une simple communauté qui décide de faire. Gen bagay li relevé directement de l'État. Gen travail par exemple au niveau de Fondation Docteur Daniel Mathurin que n'a fait avec Jeunio. Bon, Fondation Docteur Daniel Mathurin qui contribution pâle li bay l'informé jeune en Haïti, mais en aucun cas Fondation Docteur Daniel Mathurin pas qu'à remplacer l'État dans des missions régaliennes. C'est-à-dire, question culture, question identité, question patrimoine, ils ont relevé d'abord de l'État. Et l'État haïtien, de 1804 à nos jours, l'État haïtien, pourquoi jamais prendre des dispositions et des mesures pour élaborer un document de cap défini, ne serait-ce que dans les grandes lignes, mais pas forcément dans toutes les petites lignes, ça que y aurait anthropologiquement une politique culturelle. Si nous avons l'État qui a été défini en politique culturelle, en tant que politique culturelle, là, par exemple, nous avons une politique éducative, et politique éducative, ça, tu as orienté les gens à travers les filles en curriculum qui existent dans l'école primaire, l'école secondaire, dans l'université, vers l'identité. En d'autres termes, réconcilier haïtien avec environnement social, politique, économique et culturel. Et là, nous avons l'État qui est totalement irresponsable, qui n'a pas de disposition sérieux. Côté où on que pratiquement chaque ministre culture qui vient ou chaque ministre qui, du tourisme qui vient, il a fait affaire par eux et pas de suivi. Puis faut nous à l'abandon, ça qui est en état de délabrement, ça qui est en état d'émiettement. Mais côté l'État, côté l'État, côté disposition que l'État prend pour protéger site nous, pour protéger fond nous, pour protéger plage nous, pour valoriser cour, tout ça qui a rapport avec la cour, avec l'identité culturelle, nous pas bien ça. Mais je dis qui ça, et parce que nous connaissons à l'ère de la grande technologie, question rara, et puis identité culturelle,
en termes de promotion, qui sont pensés qu'il t'a au mariage, je me posé question ça avec on invité déjà, comment on a servi avec technologie aujourd'hui pour nous vendre ça que nous avons comme identité culturelle? Il y a un phénomène que nous connaissons qui est développé depuis plusieurs années, qui est la mondialisation, la globalisation, qui transforme le monde en un gros village, un super village. Et mondialisation, même si il y a un aspect négatif, il n'y a pas fait un débat là sur les conséquences sur la mondialisation en tant que telle, il y a un aspect négatif, mais il y a un aspect positif. Tout. Dans la mesure que mondialisation, plus se rapproche du peuple, c'est plus que l'effet que différence culturelle et vient en valeur, vient sauter, vient paraît plus évident. Et là, outil mondialisation, on a la technologie. Et là, outil de technologie, ou parmi différents outils de technologie, on a les réseaux sociaux. Et on a les réseaux sociaux de manière générale. Moi, je pense que nous-mêmes, Haïtiens, bon, d'ailleurs, ça c'est pas qui pas dans ma là qui a fait depuis longtemps, mais ma gens qui est conscient de ça, des gens qui pas conscient de ça à faire, donc a servi avec des outils ça pour nous offrir une autre image de culture non. Et tu as certain moment tu connais utiliser un verbe qui c'était verbe vendre, même venons étudier mon foi qui corriger le l'embouchement et depuis lors on corrige parce que maintenant les gens logique commercial, capitaliste, économique, très bien. Image de culture, nous. Par exemple, à l'échelle internationale, il y a une façon d'appréhender vos droits. Vous avez vos droits, comment vos droits, c'est pratiquement un culte qui est associé. C'est un bail cannibale, un bail de zombies, un bail qui est associé à des poupées, vos doux, côté monde, à piquer le monde, à tuer le monde, etc. Moi, par exemple, moi, une initiative que je prends de camper, mais je vais retourner en force et faute de temps. Pendant la période de confinement, je fais un cours avec l'ethnologie en deuxième année, qui est la mythologie générale. Moi, tout mon paquet de mythologie. Comment c'est depuis considération générale sur mythologie, bah, la préhistoire égyptienne, mésopotamie, suméoire, acadienne, assyro babylonienne, je fais grec, je fais roumain, je fais celtique, je fais scandinave, je fais perse, après ça, je fais précolombien, je fais mayen, castec, et puis je finis avec Haïti, moi, mythologie. Taïno, mais mythologie, vous, donc, chita. Pendant la période de confinement, les hôtes éclairés confinement de 19 mars à juillet, août, ils déclarent, mais consommer des vidéos qui ont rapport avec la mythologie de l'autre peuple. Jusqu'à ce que je réalise, il y a une mythologie de tout peuple sur la plateforme ça, hein, que les YouTube, sauf la mythologie panouan, qui est mythologie haïtienne. Et c'est dans ce sens-là que j'ai commencé à faire une émission sur YouTube, côté m'a présenté comme si loi clé qui existait la mythologie haïtienne, la mythologie vaudoise. Professeur Lhomme, nous prenons le fini, nous avons juste besoin de comprendre dernière intervention, ça, dernière question. Ça. Est-ce que je veux dire, mis à part de changements qui sont instruments, vous avez dit tout à l'heure, culture là n'est pas statique, société n'est pas statique, il y a des changements. Société en dynamique en soi et culture l'entour n'a pas gardé comment l'autre peuple tout a évolué pour gagner des changements pour te la donne. Le fait que gagne tout changement ça dans question rara, le fait que tout gagne un peu d'appropriation de rara, est-ce que nous pas capable assister en l'air avec en fuite ou bien une disparition de rara ou du moins identité culturelle, ça nous fait mention de lui comme rara. Mon cher, nous avons deux choix pour moi. C'est réponse pas me commenter, mais nous avons deux choix. Parce que j'aime bien aucun peuple qui développe en dehors de culture. Pourquoi nous prenons ça son principe général lié de l'anthropologie. Soit, ça, nous clé sur les. Soit nous réconcilier la culture non, pour nous développer tête nous. C'est pas rare, seulement c'est culturel. Dans toute manifestation globale intégrale. Li. Soit, il y a un peuple qui mourit déjà et il mourit. Il n'y a pas qu'on enterre. Hein? Il n'y a pas qu'on enterre. C'est pas mourir parce que il y a mourir culturellement. Oui, culturellement, c'est l'ami avant. C'est l'ami. Oui, justement. Un peuple qui décide de dissocier de culture, il décide de l'amour, c'est soit nous réconcilier la culture nous, pour nous développer tête nous, soit nous
culture ça disparaît, nous tournons le peuple pas bien peuple haïtien encore. Mm-hmm. Ça, on peut souligner. Et je pense que l'histoire de l'humanité, même si ce n'est pas dans la logique ethnocide, dans la sorte de mauvais goût ethnocide, j'aime annoncer là, nous y est, l'histoire de l'humanité montre nous qu'il y a des peuples qui existent. Le fait que séparer deux cultures, peuple ça culturellement moulvé dans le peuple. Oui. C'est par exemple le cas des Égyptiens. Mm-hmm. Donc, bon, bien que faut en sortir de côté arabe, donc c'est deux choix. C'est soit réconcilier avec culture, avec identité, avec racine pour développer tête, nous. Soit nous, nous séparer nous de culture, nous, tout bagage dans la culture nous disparaît, et puis nous mourir, nous physiquement toujours vivre. Oui, mais non mourir. Oui. Professeur Lhomme et Emmanuel Stéphane Laurent, moi-même bien content pour me recevoir dans l'émission Entretien. Nous avons discuté autour de thématique Sarara, identité culturelle. Je dis en culture, il faut qu'on appropriation qui fait plus, il faut qu'on gagne une bataille dans la société qui fait, pas une bataille kiff, mais côté que culture nous approprier, nous connaissons que c'est haïtien nous pour que nous pas une société qui en voie de disparition. Culture, nous, j'en suis dit, nous sommes capables de vivre, mais si nous ne pas approprier nos deux cultures, nous sommes capables de mourir même lorsque nous avons marché. Son plaisir, moi particulièrement, émission Entretien de Radio-Télévision Espace pour me recevoir dans l'émission Entretien, professeur Emmanuel Stéphane Laurent, dit l'homme. Tout plaisir, c'est pour moi, moi, remercie, dans le silence, pour que moi, renouveler contact avec l'espace médiatique. Là. Oui. Même si on est serviteur, mais au service de la population haïtienne. Là. Et à n'importe moment que vous voulez me dire que je vais faire un service, c'est travailler comme anthropologue, faire un service. En tant qu'anthropologue, je suis un diffuseur de la culture. Professeur Lhomme, merci. Et on a dit que c'est extrêmement important. Culture, non, c'est âme, non. C'est ce qui vous fait nous avancer. Nous devons être Kembel et gourmet pour nous Kembel. Sinon, pas Kembel. Dans une société qui disparaît et nous cap marcher physiquement, mais nous mourir. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, merci d'avoir suivi et regardé l'émission d'entretien. Le prochain numéro sur la chaîne 34, c'est pour mardi prochain. Restez branchés la chaîne 34, pour la suite de la programmation. Ciao, ciao et à bientôt.